On fait le main qui est de retour et entame sa 8e saison par l'événement tech de l'année, la couverture live de l'Apple Event iPhone. Alors quelles surprises attendent des iPhone 8 et 10? Quid d'une évolution de l'Apple Watch mais aussi de l'Apple TV? Toutes les réponses en direct tout au long de ce live. Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici à 42. Merci à 42 de nous accueillir pour cette 8e saison de Refait le Mac. On est très heureux de continuer l'année avec vous et bienvenue également à un public venu très nombreux cette semaine. Bienvenue à vous ici à l'amphithéâtre de 42, bienvenue en nombre. En cette journée un petit peu compliquée sur Paris, vous n'allez rien rater ce soir de la keynote qui va débuter dans 20 minutes à Cupertino. Tout sera sur le grand écran. Vous n'allez rien rater. Il y a un film qui commence, donc on bascule. On est juste à l'heure. Bravo, messieurs, dames. There's lots of ways to be as a person. Et vous avez reconnu la voix de Steve Jobs, bien sûr. And some people express their deep appreciation in different ways. Et n'hésitez But pas. One of the ways that I believe people express their appreciation to the rest of humanity is to make something wonderful. And put it out there. And you never meet the people, you never shake their hands, you never hear their story or tell yours, but somehow, in the act of making something with a great deal of care and love, something's transmitted there. And it's a way of expressing to the rest of our species our deep appreciation. So, we need to be true to who we are and remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple, Apple, is if we keep us, us. Hommage à Steve Jobs, décédé le 5 octobre 2011. L'Apple Park était son dernier grand projet. Il n'aurait donc pas vu l'aboutir de son vivant. Quelques semaines avant son décès, il était venu présenter le permis de construire au conseil municipal du Cupertino. C'était une séquence assez émouvante. L'Apple Park, qui s'appelle Apple Park, qui s'appelle pas l'Apple Steve Jobs Center, c'est dommage. Mais c'est le Steve Jobs Theater, on va écouter Tim Cook. Apple Watch. Donc on va commencer avec l'Apple Watch, on va avancer un petit peu. On en a parlé dans les rumeurs. Va-t-on découvrir la 4G? Et on découvre la vidéo de production de l'Apple Watch série. Pour finir sur les cœurs, apparemment ça va détecter aussi l'arythmie cardiaque, qui est un problème qui touche beaucoup de gens. Ouais. Moi j'aimerais bien un truc, c'est quand tu verrouilles la Watch, c'est un peu compliqué à chaque fois de déverrouiller, c'est long. Si ça pouvait reconnaître les battements de cœur pour la déverrouiller, c'est-à-dire que seule la personne qui la porte... Parce qu'on a une signature aussi cardiaque, donc je trouve que ce serait vachement pertinent. Alors, qu'est-ce qu'on découvre sur cette belle vidéo? Regardez le petit point rouge sur la couronne. Ça nous rappelle quelque chose, non, le point rouge? C'est ça qui est rouge. Alors, c'est une série Red, pas du tout. Le rouge, c'est pour la 4G. Et normalement, Jeff Williams devrait nous confirmer ça. Attention, les prix, ça commence à 329 Il y a bien une version. Il y a bien une version sans puce, en fait. $70 d'écart entre la cellulaire et la non-cellulaire. Et ils continuent de vendre la série, hein, t'as vu? Ouais, ils continuent de vendre la série, hein, ils sont courageux. 390. Pas de série 2. Ouais. Apple TV. Quel talent, Gonzague. Oh, t'es trop fort. J'ai étudié la divination sur Twitter. D'accord. Pas d'obscurantisme sur ce plateau, s'il te plaît. Alors, Apple TV n'a pas été mis à jour de presque, deux ans jour pour jour qu'on n'a pas eu un nouvel Apple TV. Je suis un utilisateur assez régulier de l'Apple TV. Il me manquait la 4K. Clairement. Voilà. Voilà, c'est officiel, la 4K. Regarde, Monsieur X, Tim Cook la confirme. Ouais, l'ultra haute définition, la question qui va se poser, Monsieur X, c'est quelle bande passante va être nécessaire pour pouvoir alimenter... un engin pareil, est-ce qu'il va falloir la fibre. Un minimum 15 mégas en download. Si je me souviens bien, Netflix te recommande, quand tu as un abonnement Ultra HD comme moi, d'avoir minimum 20 mégas en descente de réserver pour Netflix Ultra HD. Donc ça va être la même chose pour l'Apple TV 4K. Ça veut dire que si tu es en ADSL, c'est mort. Si tu es en VDSL, ça peut passer, tes conforts si tu as la fibre. Ce soir, notre partenaire Sandy se propose de remporter, regardez, deux X-Band Base.
et ainsi qu'une clé X-Pen Flash Drive. En répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission, l'X-Pen Base, c'est quoi ? C'est une base qui permet de recharger rapidement votre iPhone et qui en plus réalise une sauvegarde automatique de vos photos, vidéos et contacts. Il dispose de cela jusqu'à 256 Go de mémoire. Et enfin, l'X-Pen, la clé, c'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go et pour y stocker vos photos, vidéos ou films. Ça, c'est donc le sponsor de l'émission. On en a un deuxième, c'est Volpi. Si vous envisagez de changer de smartphone pour acheter le nouvel iPhone, vous devez vendre ou recycler votre ancien modèle. Sachez qu'il y a une app pour ça, ça s'appelle Volpi. Une fois installé sur votre mobile, l'app teste tous ses composants et vous donne une estimation rapide et juste de votre smartphone. Il y a plein d'annonces. Le service prend même en charge l'envoi en vous adressant à un prix prépayé ou à un coursier. En voilà une bonne idée. On retourne très vite au Steve Jobs Theater. Ah. Et ils ont des bugs dans leur présentation. Hein. Depuis tout à l'heure, ils affichent des images qui cachent. Je savais, c'est pour ça que... regardez ce qu'on voit là. Bon. iPhone. Voilà, après l'Apple TV, on passe au pas de résistance et l'iPhone. Voici le nouvel iPhone, ou le futur de l'iPhone, il commence maintenant. Deux capteurs photo, le blanc est joli, Touch ID. Et c'est donc le successeur a priori de l'iPhone 7. Ouais. Et voici l'iPhone 8. iPhone 8. Serait-ce une base de chargement? Oui. Donc ça, base de recharge sans fil. Voilà. Encore une fois, là, Apple était un petit peu à la traîne par rapport au concurrent Stéphane. Ouais. C'est une fonction qu'on a vu arriver il y a des années chez Samsung notamment. Non, il faut juste apprécier qu'Apple n'ait pas fait son petit standard à lui comme il a fait avec le Lightning encore. Il parle de ce qui est plus intéressant, c'est qu'il fasse un accord avec Tesla pour avoir un super chargeur. Alors apparemment, Gonzague disait une chose très intéressante. Gonzague, vas-y. Bah, ça parle de fast charge dans la liste qui a été donnée, mais je pense que c'est une fast charge filaire. 32. Les capacités et les prix vont arriver. Alors, 2 gigas, 128 gigas, 256 gigas. Non, ils font disparaître les anciennes tailles. Ils font disparaître le 128. C'est 64 ou 256. Voilà, 75 gigas. Est-ce que le prix qu'on vous a donné tout à l'heure est le bon? Non, c'est 739 €, 699 $. C'est fast charge. Le prix nous semble juste. Il y a plus de 128. Il y a plus de 128. 64 ou 256. 799 $ pour l'iPhone 8 Plus. Qu'ils sont gentils. Hein. Bah oui, si on veut. Alors, quand est-ce qu'il sera disponible dans 10 jours hein. Il sera bien disponible le 22 septembre. Précommande le 15 et livraison le 22. C'est ce qu'on vous avait annoncé le 19 septembre pour iOS 11, qui sera disponible au téléchargement et mettre à jour vos anciens iPhone, iPad. Ah. Tim Cook. Et voilà. Et Tim Cook revient himself parce qu'à mon avis, il y a encore du lourd. Hein. Ça n'a fait qu'une heure 17 d'Apple Event. Oui, et peut-être qu'on aurait droit à une pause un peu christique de notre ami Tim et au-delà, un One More Thing ce soir. On va remettre le son. Merci. We do have one more thing. Ah, ça fait longtemps. Ça fait si longtemps. Ça y est, alors on est parti sur une nouvelle décade. Hein, on est parti dans la modestie. Voici l'iPhone 10 prochaines années d'Apple. Allez. L'iPhone 10. Tu l'appelles 10, toi. C'est le débat du soir. J'ai déjà vu ce design quelque part. Tu l'as dans ta poche. Vous n'allez pas pouvoir le gagner tout de suite, ce qui ne sera pas disponible tout de suite. Oh, c'est un quoi ça? Donc l'écran bord à bord avec la petite languette à son sommet. Écoute. Comment il va le prononcer? This is iPhone 10. Donc c'est un écran. Start with the Super Retina display. It's 5.8 inches above the diagonal.
5,8 pouces, 5,8 pouces, pardon, résolution de 2436 par 1125. C'est plus grand qu'un plus. C'est plus grand qu'un en diagonale, c'est plus grand. Ouais, c'est plus haut, effectivement. Donc il n'y a plus de bouton rouge, tu avais raison, Rodrigo, c'est vraiment la surprise de la soirée. Ah, c'est pas vraiment une surprise. C'est une blague. Je vous assure. How iPhone should work and how we can make it better. Mais comment on déloque son iPhone So now, when you want to go to the home screen, you simply swipe up from the bottom. Mine de rien, c'est un moment un peu charnière dans l'histoire de l'iPhone, puisque le bouton home, c'est quand même la définition même du maniement de du téléphone d'Apple, et ce qui souvent manque aux utilisateurs iPhone lorsqu'ils passent son bureau, ils cherchent le bouton home. Donc c'est une nouvelle, un nouvel usage à adopter, notamment pour sortir des applications. On va voir ça. You can now press the side button in, which has been made larger. Le bouton latéral, apparemment. Oui, parce que du coup, comme tu as plus de bouton home, tu ne peux plus l'utiliser pour Apple Pay et tu ne peux plus l'utiliser pour Siri. Voilà, c'est le premier iPhone qui vous reconnaît que lorsque vous le regardez. Et ils appellent ça Face ID. En gros, l'iPhone reste bloqué, j'imagine, tant que vous ne le regardez pas. Je pense qu'on va avoir des surprises sur la partie supérieure du téléphone. Voilà. Donc la partie supérieure, donc c'est ça qui héberge les capteurs ainsi que le haut-parleur, c'est ça, hein, évidemment, pour entendre les conversations. Alors on va voir le détail. Made up of incredible state-of-the-art caméra infrarouge. Qu'est-ce que le flou d'illuminateur, tu m'expliques? The front side camera and ça illumine. Dot projector. La caméra frontale et le dot projecteur, ok, super. Oui, c'est bourré de capteurs, comme vous pouvez le voir. En plus, bien sûr, de ce qui prend le plus de place, le mini haut-parleur pour le retour du son quand vous téléphonez, car ça reste un téléphone. Ce serait rendu possible par un imageur 3D qui est intégré à l'iPhone 10. Et parmi les possibles fournisseurs de ce composant, c'est un Français, s'appelle ST Microelectronics, qui aurait reçu une commande de pas mal de millions de dollars. Voilà, c'est la vidéo qu'on vous montrait, que nous avaient filé nos amis de Mac Forever tout à l'heure. Regardez comment ça fonctionne. Avec des lunettes. Les lunettes, oui, il vaut mieux vu le nombre de gens. Ça marche avec un chapeau, avec un bonnet, avec une écharpe. Face ID fonctionne avec Apple Pay. Et il suffit de cliquer deux fois sur le bouton latéral, un peu comme autrefois sur le bouton Touch ID. Monsieur X, on se calme. comme sur l'Apple Watch. C'est Harry Assaf. Je répète, ce n'est pas moi. Enfin, je ne sais pas qui fait ça, mais c'est assez énervant ce bruit. Et les apps tiers, ce qui fonctionne aussi avec Touch ID, fonctionneront sans effort supplémentaire avec Face ID. Voilà, c'est dit. Tout est concentré sur la face supérieure de l'iPhone 10. Cette petite languette qui est la seule zone de noir quasiment de cet iPhone et qui intègre tout l'électronique. Le reste, c'est bien un écran. Ça, c'est vraiment une nouveauté par rapport aux autres. D'après nos infos pour la dispo, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais vous préciser maintenant, la dispo de l'iPhone 10 ne serait pas immédiate. Donc, septembre 2018. Et non, les précommandes ne seraient pas immédiates et que les précommandes ne seraient pas ouvertes avant 4 à 6 semaines. Comment on fait pour changer tout ça, ça Eh bien, il y a la solution. Maintenant, tout d'un coup, l'annonce. On a un chargeur qui permet de tout charger d'un coup. Oh. Merci Phil, quel talent. Oh, même une animation vidéo qui vous dit qu'il recharge le téléphone. Mais ce n'est pas tout. Avec Belkin, vous pouvez aussi charger votre Apple Watch et vos AirPods. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi charger vos AirPods, voilà. 64 Go et 256 Go de mémoire pour l'iPhone 10 et pour la dispo. On va voir. $999. À partir de 99 euros en France, voilà. Pré-order, donc le 27 octobre distribué, le 3 novembre, qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Non, on va attendre. Hein. 6 semaines. L'iPhone SE, $349, l'iPhone 6S, $449, l'iPhone 7, $549, l'iPhone 8, $699 et l'iPhone 10, $999. Et on a droit à la pub du nouvel iPhone 10 qui fait la part belle à l'écran et qui donc répond au Galaxy S8 de chez Samsung apparu au printemps dernier.
On a commencé avec Steve Jobs, on termine avec Steve Jobs dans ce Steve Jobs Theater, le papa de l'iPhone, le papa aussi d'Apple avec Steve Wozniak. Et comme à son habitude, Tim Cook invite l'ensemble des équipes de développement de l'iPhone de se lever, aussi bien logiciel que matériel. Voilà, il est 20h55 après près d'1h55 de keynote et 2h30 de direct. Nous sommes arrivés à la fin de cette keynote. Ce n'est pas fini autant pour nous, puisqu'on a encore quelques surprises pour vous. L'heure est venue de vous annoncer le concours avec notre partenaire SanDisk. Notre sponsor vous offre propose de remporter 2 Xpand Base et une clé Xpand en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. L'Xpand Base, qu'est-ce que c'est ? C'est une base qui permet de recharger rapidement votre iPhone et qui en plus réalise une sauvegarde automatique de vos photos, vidéos et contacts. Il dispose de cela jusqu'à 256 Go de mémoire. Et enfin, la clé Xpand, vous la connaissez, on vous l'a déjà présentée dans cette émission. Elle permet de... On la branche sur le port Lightning de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go de mémoire pour stocker vos photos, vidéos ou films. La question, soyez attentifs. 2 Xpand Base et une clé Xpand. La question est très simple. De quel connecteur la clé Xpand dispose-t-elle ? De quel connecteur dispose la clé Xpand ? Vous répondez, attention, via le compte Facebook de SanDisk, www.facebook.com/SanDiskFrance. www.facebook.com/SanDiskFrance. Et on vous en réserve ici dans la salle. Ne vous inquiétez pas. Bien, l'heure est venue d'aborder une séquence traditionnelle de cette émission, à savoir les coups de cœur. On vous l'avait déjà présenté dans cette émission, mais elle n'était pas finalement disponible. C'est la robe Addicted, Mac Addicted ORLM. Regardez avec le magnifique logo dans Refait le Mac. C'est une robe qui a été conçue sur mesure pour nous par nos amis de Beezy. Regardez, il y a une magnifique signature à l'intérieur avec les... ça vous rappelle le logo original d'Apple, avec une petite dédicace, on vous laissera la découvrir, on va vous la lire. Designed in Corsica, made in the cloud, ça définit bien On refait le Mac. Vous retrouvez donc la griffe On refait le Mac. Elle est enfin proposée donc à la vente dans les prochains jours. Ça va permettre surtout de nous aider à développer On refait le Mac. Nous avons décidé de mettre en place dans quelques jours, dans quelques semaines, une campagne de crowdfunding parce que maintenant, on refait le Mac, on va en faire un vrai métier. À partir d'un certain niveau de dons, vous recevrez gratuitement, grâce à Beezy, cette housse. Donc en clair, vous allez offrir quelque chose à On refait le Mac et nous, on vous fait un cadeau. Le monde tourne plutôt bien. Voilà, donc merci à Beezy, merci pour ce beau cadeau, merci à vous de nous soutenir. On vous tiendra au courant de ce lancement de cette campagne de crowdfunding, ce sera certainement sur le site dédié au podcast Patreon. Voilà, pour conclure cette émission, d'abord, je voulais remercier le public venu nombreux ici à 42. On voulait vraiment vous applaudir. Bravo, merci à vous. Je vous demande vraiment d'applaudir toutes nos équipes qui ont rendu possible la réalisation de ce live ce soir. À commencer par 42, par Fabienne, par Charles, par Xavier, les équipes techniques du studio 42 sous la houlette de Mathieu Trentin et de tous les pixels, Sébastien Huguenot, Paul Vary, Valentin Richard, Florian Martinez, Adrien Ruelou, Justin Rousier, sans oublier l'équipe technique dont refait le Mac, à commencer par notre réalisateur François Bontemps, Lionel Martin qui dirige la photo et Franck Pelliccioli au son. Ça n'a pas été facile ce soir, on y est arrivé. Et bien sûr, la team historique dont refait le Mac qui nous accompagne et qui m'accompagne depuis de nombreuses années maintenant, bientôt 8 ans. Fanny, Benjamin, Cédric, Monsieur X, Rodrigo, Julien, Didier, Gonzague et Driss, merci à vous de votre fidélité. Stéphane, je t'ai pas mis Stéphane. Merci de votre fidélité, de votre présence. Vous êtes plus que des amis pour moi. Vous le savez, à la semaine prochaine pour les autres. On sera normalement en ligne avec une nouvelle émission dès vendredi soir. On va essayer de débriefer ensemble les annonces de ce soir. Merci encore pour votre fidélité. Et c'est une belle année qu'on va vivre ensemble ici à 42. À la semaine prochaine. Bonsoir.